qu'est-ce qui s'est passé ici? Les gens du coin en sauront peut-être plus. Des grappes aux bouteilles. Quel magnifique procédé. Va chercher ça, vite ça. Je vous salue. Allez là, purin. Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Une punition divine? C'est juste un malheureux concours de circonstances. Allez, remettez-vous au travail. Si on ne livre point cette tête dans les délais, je vais me faire arracher les burnes. C'est ce que vous comptez dire à la veuve d'Émile? Qu'une vache lui est tombée dessus accidentellement? C'est très sérieux. Il nous faut un expert pour régler ce problème. Un mage ou un sorcier. Que se passe-t-il ici? Regardez, c'est le sorceleur qui s'est pointé en ville. Et il pourra peut-être nous aider, exorciser le mal. On devrait lui demander combien il veut. Vous avez vu l'annonce? C'est pour ça que vous êtes là? Non, je n'ai rien vu. Mais puisque je suis là, autant vous écouter. Quel est le problème? Vous craignez une punition divine? Pour sûr, et sacrément dur avec ça. On a courroucé les dieux. En Zéricania, ils ont envoyé des sauterelles, puis une pluie de grenouilles. Nos plaies à nous sont encore pires. Il faut pleuvoir des vaches. Ça suffit, du calme. Inutile de céder à la panique. Suivez-moi, sorceleur. Je vais tout vous expliquer. Oui. Quelle fin tragique de mourir ainsi écrasé par une vache. Quel gâchis. Émile était un bon élément. Je leur ai dit qu'il devait y avoir une explication logique. Mais non, ils ont immédiatement crié à la punition divine, exigé une prime de risque en arguant des mauvaises conditions de travail. Ces fichus rapias veulent me faire mettre la clé sous la porte. Si je comprends bien, je dois trouver comment une vache est tombée du ciel. Oui, et ce n'est point tout. Vu que personne ne s'est chargé d'évacuer la carcasse de vache, la vermine a envahi la fosse. Personne n'ose s'en approcher. Ça ne me surprend pas. Mais de quel genre de vache s'agit-il? Et d'où vient-elle? Ma foi, c'est une vache comme une autre, tout à fait ordinaire. Son cadavre est dans l'autre fosse en train de pourrir. Et Émile gît en dessous. Alors, acceptez-vous de tirer cette affaire au clair? Que faites-vous ici, au juste? Nous sculptons une statue du prophète Lebioda. Enfin, pas d'un bloc. Nous l'assemblons morceau par morceau. Notre client est un homme pieux qui a décidé de relancer le projet après des années d'abandon. Toutes les carrières de la région sont mises à contribution. Sans ce fâcheux contretemps, nous serions encore dans les délais.
Je vous en prie, sorceleur, aidez-nous. Je dois en savoir plus sur l'accident. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Non, mais on a entendu. Osterve est sorti voir où Émile en était, quand soudain, on a entendu un vacarme de tous les diables. Quelques secondes plus tard, quelque chose a percuté l'une des grues. Je doute que ce soit la vache qui a percuté la grue. Je suis de votre avis. Quoi qu'il en soit, le matin venu, on a voulu aller voir, mais des créatures nous en ont dissuadés. Depuis lors, le chantier est à l'arrêt. Maître, je vous en conjure, faites vite. Acceptez-vous de vous en charger. Avant d'accepter, je veux d'abord en savoir plus sur ma prime. Très bien, négocions, mon cher. Combien demandez-vous ? Marché conclu. Mais entendons-nous bien, il s'agit de la somme totale et définitive, d'accord ? D'accord, je m'en charge. Ça pourrait être un portail défectueux, mais j'en doute. Puissent les Biodas vous combler d'une progéniture abondante ! J'attendrai votre retour. J'ai les boyaux qui vont lâcher. Ce doit être Émile. Les ouvriers ont parlé de lui. Pauvre bougre. Il n'a pas eu de chance. Bon, par où vais-je commencer ? Il a été écrasé par un énorme poids. La base du crâne est fracturée. Des marques de crocs, fraîches. Les nécrophages se sont attaqués à lui après sa mort. Le cadavre ne m'apprendra rien d'autre. Les chairs sont meurtries, écrasées. Elle a dû tomber de très haut. Le ventre est ouvert. Peu de sang, donc ça a été fait post-mortem. Le cœur s'était déjà arrêté de battre. De petites marques de crocs. Des nécrophages. Manifestement, ils n'ont pas mis longtemps à renifler leur festin. Des traces de griffes, profondes. D'après la taille des serres, une wyverne, peut-être. Mais ces blessures ne sont pas la cause du décès. Je comprends mieux maintenant. La vache est morte en tombant des hauteurs. Sûrement lâchée par le draconide. Ça devait être un jeune spécimen tentant de ramener la vache jusqu'à son nid. Émile était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis il y a la grue. Du sang. Le draconide a dû la percuter de plein fouet. Il a lâché la vache et tenté de se stabiliser. Il s'est blessé dans la manœuvre. Parfait. Je ne devrais pas avoir de mal à le pister.
Du sang de draconide, à peine perceptible. Je suis sur la bonne piste. Des traces de sang, en abondance. La blessure est plus sérieuse que je l'avais imaginée. Sur le toit de la distillerie, semé la pagaille, puis repris sa route. Bon sang. Un corps à moitié dévoré, et des traces de brûlure. Sûrement pas l'œuvre d'une wyvern. Sûrement un slizard. Une crache du feu. De pattes. Il a rampé par là. Il devait être trop fatigué pour voler. Il était bien amoché. Il rampait difficilement. Un deuxième draconide a atterri ici. Plus grand, celui-ci. Il a attendu que le petit soit en état, puis ils sont repartis ensemble. Par chance, vu que le petit saigne toujours, je devrais pouvoir les suivre. Ils ont pris leur envol ensemble, sûrement pour rejoindre leur nid. Une autre vache. Celle-ci est morte depuis bien plus longtemps, cela dit. Encore un coup du slizard à en juger par les griffures et les brûlures. Il doit se sentir en sécurité ici. La piste s'arrête ici. Je suis déjà monté par là. Je devrais jeter un œil, par acquis de conscience. Juste, des slizards ont jabardé les vaches. Vu que je les ai déjà tués, quelqu'un devra peut-être me payer. J'ai bien fait de brûler les œufs. Il ne me reste plus qu'à percevoir ma prime.
un rêve? Alors, vous avez découvert comment cette vache s'est envolée? Oui, vous pouvez reprendre le travail. Les vaches volantes n'étaient pas une punition divine. Ah, vous voyez, je vous l'avais bien dit. Alors, dites-moi, d'où venait cette pauvre vache? Elle est tombée des griffes d'un jeune Slizard. Il essayait de la ramener vers son nid pour sa mère et les autres petits. Vous ne devriez plus être embêté. J'ai brûlé le nid, les œufs, tout. Une précaution plus que bienvenue. Mais comme je vous le disais, je ne puis vous payer que pour le travail convenu. Tenez, sorceleur. Un grand merci à vous. Tout est rentré dans l'ordre, non? Pas de punition divine, c'était juste un dragon et il est mort maintenant. Nous allons dédommager la veuve d'Émile et l'affaire sera classée. Alors, pourquoi restez-vous plantés là? Allez, au travail, messieurs! J'ai dans l'idée que des forces diaboliques sont toujours à l'œuvre, moi. Ils sont devenus quoi, les ouvriers qui devaient monter la statue? Voilà 3 jours qu'ils auraient dû arriver, mais aucune nouvelle d'eux à Ardezeau. Eux aussi, ils ont été écrasés. J'en suis sûr. Ou boulottés. Ou alors des sauterelles les ont eues. Comme en Zéricania. Qu'est-ce que vous me chantez encore? D'après l'architecte, ils arriveront dans une semaine avec un gros chargement de marbre de Mekina. Par la barbe du prophète, cessez donc de jacasser et reprenez le travail. Permettez-moi de vous accompagner, mon cher. Je vais être franc. J'ai menti. Mais je ne puis laisser un nouveau vent de panique sévir sur le chantier. Ces ouvriers ont bel et bien disparu. Revenez me voir plus tard, je vous en dirai plus. Dites-moi, maître, comment progresse la recherche des ouvriers disparus? Ils ont disparu, c'est-à-dire? Qu'ils se sont volatilisés, et avec pas mal de matériel. Je venais de passer commande. Plus d'une dizaine de chariots ont rejoint le chantier, mais 5 manquent à l'appel. Il y avait des outils, des vivres, des matériaux de construction, et surtout des spécialistes, l'architecte en chef y compris. J'ai écrit à l'architecte pour lui dire que le chantier étant en attente, il devait m'envoyer de nouveaux plans. Mais d'après le contremaître, l'architecte était ici, à Ardezeau, donc... Laissez-moi deviner, il a disparu. Je vais tâcher d'enquêter. Je ne sais comment vous remercier, maître. Et de grâce, hâtez-vous. Sans ces 5 chariots, nous ne pourrons jamais finir le travail.
chercher ça. Vide ça, balaie-la, purin. Vous ne ressemblez point à un carrier. Et... Non. Vous êtes toujours aussi aimable ou vous vous êtes levé du pied gauche ce matin? Je me lève toujours du pied droit. Toujours. C'est parce que je boite de la jambe gauche depuis mon accident. Je travaillais là autrefois, à casser des pierres. Jusqu'à ce qu'un pan de roche s'effondre et m'écrase le pied. Désolé, je me sens bête maintenant. Ce n'est rien. Ça arrive fréquemment par ici, ce sont les risques du métier. De temps en temps, quelqu'un se fait une fracture, se tord la cheville, ou se brise le cou. Je dois y aller. Au revoir. Nous exportons des lames vers Métina, Ebing, Nazaire, et même en Zéricania. Les boyaux qui vont lâcher. Oh ! J'ai de la sueur qui me coule dans la raie du fessard. Je dois surveiller l'intérieur. Il faut qu'ils évitent de couper les grappes touchées par le milieu. Le fouet et le pilori attendent les émeutiers. Votre duché... Impressionnant. Maintenant que la bête est morte, les filles du Galion vont être très galères. Sacre là. Vampires vont attaquer la ville. C'est moi qui dormais. J'ai encore tout raté. Il y en a un paquet. Mes frères ! Pourquoi faire tout ça? Qu'espérait-il voler? Des marteaux? De la pierre? Je vois. Entendu. J'y vais de ce pas.
Oh, tout doux, ma belle. Merci, mon bon sire. Ne seriez-vous point ce fameux sorceleur ? Exactement. Je vais reprendre mon chariot et rejoindre le chantier du monument. On m'y attend de toute urgence. D'une aire, Ablette. Voilà le chariot. Dunaire. Fichez-moi la paix, sorceleur. Trêve de Galéphale. Allons, debout. On se réveille.
Duner. Loublons notre salvateur. Hé, hey, réveillez-vous. Hein? Quoi? C'est Saint Lebioda qui vous envoie. Je vais vite réparer mon chariot. On m'attend sur le chantier de construction. Adieu. Pas d'attroupement. Eh ben, Grison, vous avez bien réglé le problème avec la bête. Drôle de pays que tout ça. Très juste. Du sang. Beaucoup de sang. Des kikimors. Voilà donc ce que sont devenus les ouvriers disparus. En avant.
Plus vite. Même à cheval. Oh, parole. Oh, ne soyez pas aussi désinvolte. Je vous ai aidé à terminer la statue, comme convenu. Qu'aurais-je fait sans vous? Je me le demande. Grâce à vous, les adorateurs de l'Ebioda afflueront ici pour prier. Et vous me paierez, bien sûr. Cela va de soi. L'investisseur a beaucoup d'ambition. Il prévoit de nombreuses conversions. Grâce aux dons qui en découleront, nous espérons avoir retour sur investissement d'ici 3 à 5 ans. Tout a été minutieusement comptabilisé, voyez-vous, à la décimale près. Bonne chance alors. Au revoir.